Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Épisode 5 sur Gold Rush saison 2, c'est parti! On est parti pour cette saison 2, on est toujours bien, puisque là je viens encore de faire à peu près une quinzaine de sauts, je crois qu'il y en a 17 en tout, on va voir. J'étais en train de faire ça pendant que je regardais la série, la saison 10 justement, et du coup voyons voir un petit peu combien d'or j'ai récolté cette fois-ci. Tant que c'est pas fondu, je voulais vous le dire, c'est très important, tant que ce n'est pas fondu, ce n'est pas compté, donc c'est toujours, on est toujours à 1 kg sur 50 kg. Parce que notre objectif est de 50 kilos. On est mal barré. Oh non, j'étais trop vite. Comment ça se fait? Ah non, c'est bon. Excusez-moi. Ah, j'ai eu peur. J'étais en mode. Ah, quoi? On perd de l'or. Ah non. Non, c'est bon. 20%. Je regardais le mauvais truc. 41. Ok. Hop. On a la pelle à réparer puisque on a un pignon intérieur ou extérieur qui est cassé, je sais plus, faut que je regarde. Faut que je regarde ça. Parce qu'on a, ouais, on a un pignon qui est cassé, on a ça à faire. On a à voir aussi si il n'y a pas possibilité d'avoir un mécano. Ça nous coûterait moins cher, je pense, que changer une pompe tout le temps en fait. Hein. Ça nous coûterait un petit peu moins cher. Si je ne dis pas de bêtises, normalement il y a des mécanos. Et les mécanos entretiennent un peu nos outils sur la durée. Voilà. Ça augmente la durée de vie du. Je sais pas moi, si c'est une pompe, bah, ça augmente la durée de la vie de la pompe. On va voir un petit peu comment ça marche de toute façon. Puisque l'ouvrier, quand il est en arrêt, on le paye pas d'après ce que j'ai vu. Donc, ça c'est plutôt cool. C'est pas des conneries en plus, parce que. Si vous regardez les récaps, des fois il y a des salaires d'ouvriers où je paye pas, c'est quand l'ouvrier est blessé. Ça c'est cool. Ils n'y ont pas pensé du tout, mais alors, mais pas du tout. Hop. Je commence à vider les seaux là. Allez, zou. Quoi? Oh, mets ça là-dedans. De l'or, j'ai trop vite parce que sinon je vais faire n'importe la wak. Hop là, c'est pas la peine. Hop là, je peux vider. C'est 25 par 25, l'autre c'est 50 par 50. Est-ce qu'il y a un saut là? Yep, il y a un saut. Ouais. Tac. Tac. De kilowatts. Ok. Une vraie machine. Une vraie machine. Je suis une vraie machine. Hop, tac. Ouh, j'ai du bol. Elle saute le magnétite aussi, ils remplissent bien. Hein. C'est con, il va falloir réparer la remorque à magnétite. Merde. Ça c'est. Oh, encore des sous de côté. Encore des sous qui vont partir. Là, on économise, hein, comme je vous ai expliqué. À la fois, on attend tout simplement. Je peux prendre un saut. On attend tout simplement la fin du printemps pour voir ce qu'on va faire en fait. Ce qu'on va décider. Est-ce qu'on va décider de louer une nouvelle concession? Est-ce qu'on va rester là? Est-ce qu'on va prendre une laveuse? Bref, parce que traiter de la terre où il n'y a rien, c'est traiter de la terre pour rien. Waouh. Elle vient de moi celle-là. Hop là.
Bam. Bam. Ah mince, ça va fausser mon calcul. Je vais pas savoir du tout combien de terres on a traité aujourd'hui en fait. Parce que j'ai même pas noté à combien de kilos on était. On était à 3 kilos là. Non, on n'était pas à 3 kilos. On était à 2,8 kg. C'est vrai? On était à 2,8 kg? Normalement, on était à ça. Ah oui, mais sans compter ce qu'il avait enlevé lui pour récupérer. Ouais. Je sais même plus à combien j'ai lancé la. Quand j'ai lancé le rec. Vous le savez, c'est cool ça plutôt. Moi je le sais pas. Mais. Il reste 3 sauts. La connerie un peu, la con de toi. Là j'ai perdu de l'or. Vous vous rendez pas compte, mais le jeu ne me fait pas de cadeau. Quand c'est comme ça, ça fait pas de cadeau. Putain, chier. Ah va vouloir aller trop vite. Finalement, je suis pas une machine. Là, c'est bon. Parfait. Tac, et celui-là va là. Celui-ci va ici. Parfait. 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 Cinquante et un, 49, hop, c'est bon. 4 kilos 2. On va la débrancher pendant qu'on y est. Parfait. Ok. Alors t'es à combien? 50, 49. Bam. Allez, 5 kilos serait bien. Même plus de 5 kilos, hein. On est bien là, il nous reste 5 jours avant l'été. On a 1 million d'eau, je crois. Normalement, on est arrivé à. Attendez, on va vider le solar. Hop. Voilà, comme ça nous laisse autant d'aller checker là-bas. Normalement, on est arrivé à 1 million d'eau. Ouais, on est bientôt au million. Millions de flotte, donc on a une réserve pour l'été. Ce serait con de partir après. Donc hop là. Ah, d'accord, ok, ça va se vider. Hop. Donc on va dépasser les 5 kilos. Mais tant que ce n'est pas très, tant que ce n'est pas tant que ce n'est pas fondu, ce n'est pas validé. Rien n'est validé. Pour l'instant, tout part en royalties à chaque fois. Nickel.
Ok. 5 kilos. 5 kilos, allez, allez, 5 kilos, 5 kilos. Kilos. Ça fait plaisir. 5 kilos. Alors on va aller voir pour un employé là. Parce que vu que les machines vont encore. Il y a des trucs qui vont encore lâcher. Comme genre la pompe là. Excusez-moi. Voilà, 9%. Ça devrait plus tarder à lâcher. Hop là. On va aller voir ce que propose un petit peu le truc. Employé, est-ce qu'il y a un nouveau? Comment tu fais pour avoir les. Attends, ça a bugué ou comment ça se passe? Oh. Attends, mais. Allô? Comment tu fais pour voir tes ouvriers? T'es en attente, pardon. Ok, donc lui, qu'est-ce que c'est ça? Un off-pan, on n'en a pas besoin. Hein. Station de lavage mobile, non. Mécanique. Ah, on a un mécano là. 1500 balles? Ah, bien sûr. 29% de travail. Hey Nolan, ça va? Sinon la vie ou quoi? Excavatrice, excavatrice. Trommel. Ok. Bah, mécanique. 1500 balles. Et ben on va embaucher. Ensuite, dans les embauchés mécaniques, et ben on va la signer. Hein. Répare lentement ton équipement les plus détruits au coût élevé de l'entretien, réparation de l'équipement mécanique plus rapide. Ok, donc là il fait juste de la mécanique. Mais t'es signé, voilà. Ok. On va voir, hein. Je connais pas, donc pour 1500 balles, j'espère que je vais en avoir pour mes. Pour ma sous. On va voir un peu. Hey. C'est une connerie, hein. 9%. S'il va changer tous mes boutons, là. Bah, il a du boulot, le bonhomme, hein. Parce que là, tout se cassait. Ils sont tous cassés. Bon courage. Bon, celle-ci. Tic, 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 tic. On va éteindre. Et on va y voir vite fait. Ouais, voilà, c'est ça. On va voir qu'est-ce qu'elle appelle. Alors, c'est quel côté qui est pété? C'est pas ce côté-là. C'est ce côté-là, alors. Donc c'est ce côté-là. Bon, écoutez, on va voir. J'avais changé un côté, j'avais pas changé l'autre côté, j'aurais dû faire. Ça a été ma connerie. Puisque 5 minutes après, il avait cassé. Et moi, j'ai continué à travailler comme ça. Je m'en foutais un peu. Enlever les vis à enlever. J'ai oublié une vis quelque part. J'ai le brin. Fini de la réparation, mais je veux bien mec. Je voudrais bien que le truc s'enlève déjà. C'est pas bien. Non, tu crois pas? J'ai dû oublier un. Ça a complètement bugué, je sais pas, mais il y a un truc là. Ah!
Ok, non, j'avais oublié la moitié d'un. C'est qui est cassé parce que là il me le dit pas. Putain, salopard. 4%. 1%. 97%. Donc pignon intérieur. Pignon extérieur. Donc il faut deux pignons extérieurs. Oh mon Dieu. Ou un pignon intérieur et... Ah non, 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 attendez. C'est juste qu'il capte pas en fait. Tiens, t'as une belle photo, oui, il est à moitié enfoncé dans la boue là. Donc deux pignons extérieurs et un pignon intérieur. Ok. Donc deux extérieurs et un à l'intérieur. Ok. Et allons chercher ça. Ben, je vais prendre ça. Hein. Voilà, encore des frais. Hein. Et de l'autre côté, ça lâchera aussi. Triste réalité. Mais c'est bien fait hein, quand même les petits pieds, l'engrenage là. C'est cool de pouvoir changer les petites pièces. Ça change parce que au final, bah, ça fait une petite panne. Voilà, ça fait. Ça vient pas en dedans parce que là, je crois que hier, j'ai fait 3 heures de pelle non-stop. Donc je l'ai fait en mode tranquille, je l'ai fait tout seul. Je regardais la série en attendant. Mais voilà quoi, sinon c'est long hein. C'est long. Ah bon, 5 kg 100, 5 kg 100. Là, donc parti. Alors, pignon intérieur. Pignon intérieur, on a dit qu'il en fallait un. Et pignon extérieur, on a dit qu'il en fallait deux. Et donc, ça nous fait du 500 balles, ça va. Ok. Prendre la voiture vite fait, je me tiens dans la voiture parce que sinon je peux pas les porter un par un. Hein. Hop là! Mais attention à ne pas mettre le cassé. Bon, on va vider le cassé en même temps dans la poubelle. Hop! C'est comme le Trouvel, là, il y a des chaînes de cassé, il y a plein de trucs de cassé, c'est assez drôle en fait. Je sais pas si je vous avais montré. Je vais vous montrer. Vous avez les roulements de cassé. Voilà, les roulements. Il y en a 6 et vous avez la chaîne qui a pété. Voilà. Dur. Il y a pour des frais alors que je m'en suis jamais servi. Hop là. C'est l'hiver qui a fait ça. Hop là. L'hiver m'a tout cassé. Mais comment voulez-vous le rentrer à l'abri? En fait, c'est pas possible. Donc, c'est un peu mal garé. Hop là, mal foutu, pas. Si vous préférez. Mais le truc, c'est que ils pensent qu'on peut avoir plusieurs concessions en fait. Donc plusieurs concessions égale plusieurs hangars. Parce que ici, vu que c'est gratuit, la location, je pourrais très bien aller ailleurs et garder cet endroit-là comme hangar pour pouvoir stocker du matériel. Ouais, c'est. C'est bizarre ce que je dis, mais oui, on peut faire ça. On peut faire ça, vu que la location est gratuite ici. C'est un peu comme, comme sur des ménages, notre deuxième maison, quoi. Je peux passer par là ou quoi? Après, je pourrais plus passer par là bientôt. Puisque je vais déplacer la laveuse, elle va venir normalement. Attendez, attendez, encore un peu, là, ici, là, je sais pas où je suis. Elle va venir ici, c'est ma prochaine zone où il y a encore de l'or d'après le forage. Hop là. Hop là. Alors. Ok, bon, c'est bien. Pignon intérieur. Je suppose que tu n'enlèves pas ça comme ça, si. Je m'en rappelle plus. Ah si. Bon, c'est super.
bûcher en sorte qu'on prenne le pied de biche. Hop là. Tac. Parfait, on remet la plaque. Non, c'est 4. On va commencer par celui-là. On est dans le sens d'une aiguille montre. Sur la fique assez. Je sais plus qui m'a dit en live, fais gaffe, tu veux plus avoir de batterie dans ta personne. Et ça c'est des choses que j'aurais dû faire cet hiver. J'aurais dû réparer cet hiver. Mais voilà. Comme neuf. Ça repart comme en 40. Je suppose que de l'autre côté, faut pas que je regarde parce que sinon ça va me coûter cher. Hop. Parfait. Tout m'a l'air bien. Tout manière correcte. Pendant que la laveuse est ici, je vais checker un peu avant de la déplacer. Ah ouais, j'ai vraiment j'ai vraiment pompé toute la terre ici. Mon prochain coin normalement c'est ici, voilà, c'est ça. Ouais. J'ai que 3 zones, je crois, 2 ah non, même pas, 288 289 314 un petit peu. Ouais, j'ai pas grand chose là. J'ai pas grand chose à tirer de là. Ici, ici, ah oui, ici j'ai pas fait de forage là où est garée la voiture. Merde. J'ai pas fait de forage ici. J'ai pas du tout foré ce coin là. Bon, bon après. De toute façon, je suis obligé de travailler un peu, donc. Hop. Je vais être obligé de travailler cette zone-là, façon quoi qu'il arrive. Est-ce que je suis bien là? Où ça mène, mais ah bah ça mène ici. Ok. 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 De toute façon, je vais faire toute la zone qui est près. Là, c'est de la terre dégueulasse. Je vais pas faire. Ici, elle est flexible. J'ai intérêt à faire gaffe. Et puis cette zone-là, bah, a déjà été creusée. Quoi? Comment ça, on n'a pas le droit de recouvrir les. Mince, les pièces endommagées, on peut pas les enterrer? Merde. C'est dommage. Ah, c'est dommage. Ok, donc je voulais juste tester ma machine. Elle marche très bien. Ok, bah, elle est reprête pour travailler un peu. Ce que je vais faire, je vais décaisser. Toute la zone, je vais décaisser cette zone-là. Et après, avec la chaîne, normalement, si je dis pas de bêtises, ouais, voilà, on peut porter la. Est-ce qu'on peut pas on peut porter des deux côtés ou pas? Ou alors, c'est juste pour la. Ouais, bon, on essaiera de la porter. Oh, merde.
On essaiera de porter la laveuse. Ici, il n'y a plus rien, comme vous l'avez pu le constater. Pas la peine de continuer à creuser ça. Ce serait gaspiller du temps et de l'argent inutilement. Allez. Hop là. Allez. Voilà, parfait. Ce serait gaspiller du temps et de l'argent pour rien. Il me reste une zone là-bas et puis peut-être des caisses ici, puisque je n'ai pas fait ce sondage. Et puis on voit après ce qu'on fait. De toute façon, les 5 jours seront passés. Les gens, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.